Et bonjour tout le monde, on se retrouve, ça y est, on est mercredi, donc la journée des défis. Donc aujourd'hui pas de live, hein, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Voilà, pour quelques temps, je ferai pas de live. Mais ce n'est pas grave, hein, je suis là quand même. Je vous fais les petits défis quand même du mercredi. Alors, pour aujourd'hui, du coup, il fallait faire un petit diam. Oui, un petit format bien sympa qui vous a plu d'ailleurs. Donc, je suis très très contente. Et c'était sur le thème du printemps. Oui, on n'avait pas lancé la roue des thèmes. J'avais lancé, moi, le thème du défi parce que j'avais envie de couleur du printemps. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que vous allez bien, que bah oui, que tout le monde va bien, que tout se passe bien. Pour vous, j'en profite pour remercier toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. Donc, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. Je vous fais des défis, des tutos, voilà. De temps en temps des hauls, mais pas très très souvent, voilà, en ce moment j'en fais pas trop, hein. mais bon, c'est pas grave, hein. Aucune importance, voilà. Bref, allez, je vous présente du coup les diams des copinettes, hein, parce que j'en ai reçu quand même pas mal, donc je vous souhaite un bon visionnage, allez, à de suite. Donc j'espère que j'avais profité des belles couleurs, vraiment c'était très très sympa, j'ai pu me détendre moi, en vous regardant tous ces petits formats avec les couleurs, les petits die cuts par-ci, par-là, franchement bravo et merci beaucoup parce que ça m'a détendu. Voilà. Merci également pour tous vos messages de soutien, ça m'a vraiment beaucoup touchée et ben, je tenais à vous remercier pour ça parce que voilà, ça m'a touchée et ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien au moral, voilà. Donc voilà,
Eh bien, on va lancer le prochain défi pour mercredi prochain. Allez, c'est parti, je vais sortir la roue des défis et c'est parti. Allez, c'est parti, je vais mettre la roue du coup à partir, mais je vais vous dire quand même les noms des nouveaux formats que j'ai intégrés dans la roue, hein, parce que il y a des petits nouveaux. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait des petits nouveaux, que j'avais fait une recherche, etc. Enfin, des petits nouveaux, c'est des anciens en fait, hein, qui datent pour certains d'il y a un an, voire un peu plus. Bref, alors il y a un autre ATF, j'avais déjà mis un ATF qui existait au format carré rectangle, et là c'est un autre ATF, mais cette fois-ci qui est rond, voilà, que j'ai trouvé. Ensuite il y a la mini carte postale qui est à intégrer à la roue. Il y a également le KCSV qui est intégré, il y a l'ACC, donc le Art Collage Card. Le billet doux qui a intégré la roue, il y a également l'AMC, le CAM et celui que je vous ai présenté dimanche en tuto, le BD Scrap. Voilà, donc j'en ai fait rentrer plusieurs, mais que je ne vous ai pas présenté en vidéo à part. Bref. Allez, on va lancer la roue pour mercredi prochain. C'est parti, attention. Hop là, allez, je lance. Et donc, nous sommes le combien aujourd'hui? Je ne sais pas. Le 6, donc ce sera pour le 13. Et on va faire, alors, un ABR. Alors, je sais que ce format n'est pas très courant. Voilà, pas très courant. C'est un artiste book région. Voilà, je vous expliquerai de toute façon en détail juste après. Allez, un ABR avec les couleurs. Attention, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur sur notre ABR? Il s'agit du rouge et du noir. En rouge et noir. Nanana. Ensuite, la matière à intégrer. Notre petite matière. On va rajouter du napperon. Voilà, des napperons en papier, ça. Il y en a pas mal. Donc pourquoi pas, ça change un peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à intégrer un napperon. Ensuite, ben le thème, je ne vous donne pas de thème, puisque le thème c'est votre région. Donc hein, c'est votre région, vous faites découvrir une partie que vous aimez hein, sur votre région. Ça peut être des châteaux, ça peut être des monuments du coup, hein, ça peut être les paysages, ça peut être une spécialité de votre région, hein, spécialité culinaire ou une spécialité artistique, pourquoi pas. Hein, il peut y avoir des petites choses bien sympas à découvrir chez vous. Donc à vos pinceaux, à vos colles, à vos ciseaux, c'est parti, amusez-vous bien sur l'ABR. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ABR, je vous le présente quand même. Hein. Ben oui, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. C'est parti. Alors l'ABR, le voici, c'est ceci. Donc moi, je l'avais fait c'était quand ? En 2022. Donc, ça fait un petit moment déjà. Donc, sur le Lot-et-Garonne, hein, parce que c'est là où je suis. Donc, avec tout ce qui est sur Agen, sur Marmande, avec les noisettes, les pruneaux, les tomates, les fraises, enfin, voilà, tout ce qui est la pâte de Lucien Georgelin. Voilà, donc moi, j'étais partie sur tout ce qui est culinaire. Évidemment, là, je vais partir peut-être sur des monuments, si j'ai le temps de le faire, évidemment. Voilà. À vous de faire découvrir des petites choses sympas. Donc, c'est la créatrice, c'est Del Scrapette, qui a une chaîne YouTube. Donc, voilà. Ça mesure 10 cm sur 20 cm.
Voilà. Et là, maintenant, sur le recto, ben, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Vous faites du collage, en fait, hein, comme vous le sentez. Si vous avez des tampons sur votre région, ben, pourquoi pas, hein, ceux qui sont sur Paris peuvent mettre une tour Eiffel, hein, ou l'Arc de Triomphe, je ne sais pas. Ensuite, au verso, on écrit le nom de votre région et de votre pays, votre nom, prénom, adresse, ce que vous aimez faire en scrap ou ce que vous aimez en général, et un proverbe de votre région. Voilà, donc c'est donc le but, hein, c'est bien de faire votre connaissance avec votre région. Après, vous pouvez faire votre département, mais pourquoi pas, soyez plus ouvert si vous souhaitez. Après tout, hein, vous pouvez élargir le cercle. Voilà, voilà pour le format. Comment participer? Oui, parce que comme j'ai des petites nouvelles qui arrivent sur la chaîne, vous ne savez pas comment faire pour participer à ces petits défis. Eh bien, c'est très très simple. Il suffit de prendre une ou deux photos de votre création. Voilà. Me les envoyer par mail sur leshobbiesdegaby@gmail.com et moi, je prends donc toutes vos photos, je fais un petit diaporama pour les mettre en valeur, pour faire découvrir ce que vous avez fait aux copinettes la fois d'après. Voilà, donc c'est très simple, c'est gratuit, donc tout le monde peut participer, c'est l'avantage, voilà, c'est comme ça, ça met aucun frein. Faites-vous plaisir, et je n'ai jamais mangé personne, vous inquiétez pas. Mais sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.